Bienvenue sur Ma TV Montréal. Depuis quelques semaines déjà, on entend parler du film Le déclin de l'empire américain, qui est un de nos grands succès de l'histoire du cinéma québécois. Chacun ajoute une anecdote qui a été au niveau de la création de ce film. Je me suis dit incendie sûrement dans 10 ans, dans 20 ans, on en parlera encore. Or, j'ai eu le goût d'y mettre mon anecdote. C'est en 2008 de retour de Cannes, on est au mois de juin, et la SODEC, dont je suis le président à ce moment-là, doit prendre la décision on investit dans quel film. L'équipe des professionnels de la SODEC recommande une série de films pour lesquels on devrait aider à porter notre aide. Dans cette liste-là, il y a incendie. Et j'ai refusé de faire incendie. Je dis à mon équipe, particulièrement à Joël Levy, la directrice générale du cinéma de l'époque, on ne fera pas incendie, du moins pas tout de suite. On le fera immédiatement après, au prochain dépôt. Il fallait prévenir les producteurs. Je lui demandais à Joël de les prévenir. Pourquoi pas faire un incendie? Parce que nous avions un deuxième, Denis Villeneuve, et c'était Polytechnique. Polytechnique était à son dernier dépôt. Beaucoup de difficultés à trouver du financement. Et il y avait une forme de controverse alentour l'entour de Polytechnique. J'avais reçu des courriels me demandant de ne pas le faire le monde de l'éducation, le milieu politique, peut-être les événements de Dawson étaient-ils trop près, mais des gens ne souhaitaient pas qu'on fasse Polytechnique. Par contre, je me suis dit, rappelé le film Les Ordres et je me suis dit, nous avons un devoir de mémoire. Donc, j'ai pris la décision de faire Polytechnique et pas incendie à ce dépôt-là, puis incendie par la suite. On connaît la suite. Polytechnique était un grand succès. Et il s'est retrouvé à Cannes. Alors, à Cannes, en 2009, il y avait Polytechnique de Denis Villeneuve, il y avait J'ai tué ma mère de Xavier Dolan, et il y avait Carcasse de Denis Côté. Bizarrement, cette année, en 2011, au JUDRA, parmi les finalistes, il y avait Denis Côté avec Curling, Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, et bien sûr Incendie de Denis Villeneuve qu'il est clair que nous avons des gens de grand talent. L'équipe de MetaVie Montréal, Canada, félicite les gagnants des Jutra et ceux qui sont en nomination. Et on voudrait aussi remercier tous ceux qui s'impliquent dans le cinéma au Québec, que ce soit les auteurs, les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs, les distributeurs, les propriétaires de salles, les médias, les différents fonds, les gouvernements avec l'aide des investissements et des crédits d'impôt. Bien sûr, les techniciens, nos comédiens, nos artistes, des maisons comme Vision globale ou Location Michel Trudel ou Star Suite. Tous ces gens-là s'impliquent pour nous faire un cinéma extraordinaire. Et bien sûr, les critiques et vous, le public. Donc, merci d'encourager le cinéma québécois. Pendant que j'y suis, vous pouvez aller en bas de ce petit film voir les autres films de Matt Lévy. a des choses très intéressantes. Et outre Matévi Montréal, il y a aussi Matévi-Est du Québec, Matévi La Rochelle, Matévi Toulouse, Matévi Marseille, Matévi Genève. Bienvenue sur Matévi. Merci.